Salut à tous! Salut à tous! Bon, on a changé de véhicule, on a changé de motorhome. Bon, dans cette vidéo, et ben, départ de Morteros. Et avant, un petit peu de bowling. On a fait un petit tour au bowling de Morteros. Vous verrez si c'est la France ou l'Argentine qui a gagné. Ah ouais, ça on vous laissera voir dans la vidéo. Et ensuite, on va voir les 45 ans des pompiers volontaires de Morteros. Ah oui, aussi, vous allez voir. Attention à ceux qui ont des casques, enlevez-les, ça risque de vous brûler les oreilles. Grave. Et ensuite, on prend la route direction Miramar. Et vous verrez, premier problème qui arrive. J'espère que vous entendez bien, parce que là, c'est un peu... Il y a du bruit. Et on a changé de véhicule, regardez. Et ça, c'est pareil, ça sera dans une prochaine vidéo. Puis on a pris un chauffeur, tant qu'à faire. Allez, ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Petite livraison, on avait plus de batterie dans la GoPro et en plus on a fini de déjeuner et bon, je voulais que ça arrive un peu plus tôt mais pour faire la surprise. Tu dis on n'aurait pas déjeuné alors. Bah oui, mais je voulais qu'ils arrivent avant en fait. Des croissants. Vous vous rendez compte, on se fait livrer des croissants. Des croissants. Et ça c'est partout en Argentine, hein. Vous vous faites livrer n'importe quoi. Hein. Regardez un peu. 10 petits croissants! Ouais, 2 pour chacun. Moi j'en veux. Même un croissant, tu peux te faire livrer ici. C'est hallucinant. Allez, on vous laisse. On va déjeuner. On va où ce soir? Au bowling! Au bowling! Au bowling! On n'a jamais testé le bowling de Morteros. Depuis qu'on est parti en voyage, ouais. Donc, allez, en route vers le bowling. On va vous montrer ça. Et on ne le connaît pas du tout. On va aller voir. Vous êtes contents? Ouais. C'est tout? Ouais. Ah. Ouais. Ouais. Allez, on y va. Allez, regardez, on est au bowling. Hola. Beso a mi amiga Fabián. Il est sympa ce petit bowling au Morteros. Chiquiton, mais il y a des billards. Il y a des jeux là-bas. Là-bas, il y a le restaurant, on vous montrera après. Bon, du coup, on se met là, tranquille. Alors, Alex, allez, vas-y. Il va falloir qu'on remonte le score hein, parce que là on est à 57, 66, 42. Là les Français ils sont pas bons là. Hein. Mais non, mais non. Ça va venir, ça va venir. Allez, on va remonter pour la France. Attends, attends, attends. Mila, le score. La ultima. Julien a fait un strike, j'en ai fait tomber 8. Julien a fait tomber les 2 qui restent. On va gagner. La France va gagner! Allez, nos concurrents directs! Ouais, non, pas de strike! Je crois qu'on s'est fait battre par les Argentins! Non, pas encore! 98 à 103! Ouais! On a bien représenté le pays. Je l'ai assemblé. Hola. 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 Hola.
jouer avec Maneno, il aime pas perdre, on y retourne. Maneno. Qui gagne le meilleur? Argentina, France. Meilleur Argentina. Voilà, ça commence à être serré. Hein. 26 pour 23, Maneno a pas encore joué. Ça commence à être un peu serré là. Il a pas réussi. Allez, tous les amis à jouer, ça vaut 50 centimes le jeu là. Et là, on va mettre la raclée. J'espère. Bon, voilà, je crois qu'on a gagné. 102 pour 52. On va aller lâcher dans la colle, mais c'est pas grave. Allez, je vais jouer même avec la GoPro, regardez. Toucher la boule de bowling. Que pensa, Marino? Tocar la boule. Que pensa? Je me concentré que te puedo ganar. Necesita un otro, Marino. Mucho contra la nacional. No es suficiente. Y voilà, on a encore gagné. Sí. Du coup, ils vont refaire une. Alors du coup, allez, troisième partie, on va lui remettre sa dose. Ils sont les 6 à jouer. Et ça coûte, tac, je fais le change vite fait. 2,20€ pour 6 personnes le bowling. Et c'est Caro qui joue. C'est bon, je crois qu'on va refaire la troisième. Ciao Manilo. Ciao. Allez, je viens de lui mettre 2 strikes dans la tronche. Allez, ils vont me dépouiller mon fric là. Qui c'est qui gagne? Enzo? Ah. On veut pas être fort partout hein. Là, c'est tous les copains, Manon, Enzo, et fille de Lucas. Tous les copains, copines qui sont là. Enfin, une partie. Et puis là, il va falloir que je paye encore. Voilà, encore. Et jamais avant ils auraient fait ça, aller à la caisse tout seul, payer jamais. Ça c'est avec le voyage que ils sont beaucoup moins timides qu'avant. Hop et voilà, elle a payé. Jamais ils auraient fait ça tout seul. Qu'est-ce que t'as dit Manon? J'ai encore gagné. T'as gagné du coup? Non, il y en a un. Oh merde, il en manque 2. Non mais je crois qu'on est quand même bien parti. 84 pour 42, bah oui c'est bon, impeccable. Oh non, il limite. Ah, une maison à la boule, il a fait un petit bisou. Bon bah il en reste une. J'espère que Marie va l'avoir. Ah ouais, voilà, je crois qu'on va gagner la troisième partie. Canalette. Voilà, la France a encore gagné. Bon parti. Non. Allez. Là, vous avez la partie billard, les parties jeux, arcade. Là, il y a la partie du coup restaurant, bar. C'est vrai que c'est sympa hein, franchement. Petit popcorn et tout, pour les petits jeux d'arcade. Et en fait, il y a un ciné. On va le voir là-bas au bout. Il y a 3 ou 4 salles, je crois. Oh.
Bonjour monsieur, tout le monde. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Oui, oui. Mais même au cinéma 3D et tout, c'est vraiment pas mal. Et là-bas, il y a des glaces et tout, artisanales. On peut aller voir au bowling. On leur a mis 3 raclées. Et toi aussi, combien de raclées du coup? Une billard? No conozco. ¿Cómo? ¿Un comentario? Los franceses son todos buena gente. Son fuertes, ¿no? Fuerte. Al bullying. No, es cuestión de entrenamiento. La Marie qui nous fait une petite partie de palais. Ça, c'est le jeu que j'adore. Et les gamins, pareil. C'est qui gagne? Non, c'est Alex qui gagne. Allez, maintenant on va se faire une petite glace là. Parce qu'il y a vraiment des glaces artisanales. Et ça va être, je crois, spectaculaire. Regardez un petit peu l'Argentine, comment c'est. Tout artisanal, tous les goûts. Banane. Ça, c'est la fille à Caro. La fille à Luca. Là, non, c'est. La marque, la carte, la. Et de l'extérieur aussi, c'est chouette là. Il y a un petit food truck. Regardez. Le canu est garé là. Pour ceux qui nous suivent depuis un bout de temps, on avait fait une photo ici, Love. Et bah c'était fermé hein, pendant quasiment un an pour le Covid. Et là, ça a rouvert et c'est vraiment chouette, franchement. Et là, et acá, la gente que no gagna el bowling. No. Sí, la gente que es peado. Sí. No comprende. El español cruzado. Et je vais même vous filmer les toilettes. Alors, je les visite en même temps que vous. Oh là 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 là. Y a même pas de pisse par terre. C'est spectaculaire. Non, franchement, c'est du petit désinfectant partout. Écoutez, c'est clean quoi, franchement, c'est clean. Clean, clean, clean. Bon allez, je coupe. Allez, on repart. Je crois que l'Argentine nous surprendra tout le temps, non? Ouais, je crois. Et vous aussi? Vous allez nous accompagner encore une année? Une année? Une année et demie en Argentine avec nous. Estamos grabando. Estamos grabando. Julien, no pongas gordo eso. Gordo o argentino mortiro. No pongas eso, por favor, que sale muy mal. Tomando mi shake, mi shake. Oh. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Rico. No, antes, ¿qué me di? Que la cata grabó algo y no lo ponga. Alors, on est au niveau de la caserne de pompiers de Morteros. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est les 45 ans de... des pompiers volontaires de Morteros. Donc ils vont faire des discours et après ils sortent avec tous les camions, la caravane, avec tous les camions dans la ville en fait. Avec des sirènes. Spectaculaire. Camion militaire. Camion américain. Donc ils sont déjà tous alignés là. D'ailleurs, on va vous mettre une petite, je sais jamais encore, là. Allez. Ou là, une petite fiche. De... On avait visité la caserne des pompiers. On va vous la mettre. Frente, descanso. Junto a esta hace también su entrada en representación de la Escuela de Estudiantes Menores, Juan Pintor Mayor de Nicolás Piñera, los portaestandartes de Parano Pedro, Macuando Bautista, Tomé Chávez y Agua. Ça y est.
On va suivre la caravane. Allez, moi, ce beau camion américain là. Ils ont des chouettes camions.
45 ans et pompiers de Mortos. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça sent l'essence. Alors, on vérifie qu'il n'y ait pas une fuite, vu qu'on a touché aux injecteurs et tout ça. Julien, il fait le tour pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ça sent fort? Oui. Bon, eh ben... c'est peut-être rien, mais on peut pas vérifier. Bon, rien trouvé? On part du principe qu'on continue, on verra bien. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt! À bientôt!